Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite tenue du jour ce matin. Rapidos, rapidos. Je suis obligée de tenir le caméscope parce qu'en fait la luminosité est bonne que comme ça. C'est un peu chiant, mais bon, voilà, c'est ballot, mais c'est comme ça. Donc c'est très très simple, hein. Rien d'exceptionnel, mais bon, c'est ma tenue du jour, donc voilà. Au niveau du maquillage, je suis en train de tester. Pardon, la voix de Roger du matin. Je suis en train de tester une nouvelle bébé crème. J'en teste plusieurs en ce moment. Celle-ci est un tout petit peu trop claire pour ma peau, pas grand chose, mais un tout petit peu. Pour l'instant, je suis pas hyper fan en tout cas de la couleur, mais on va voir ce que ça donne après dans la journée, comment ça évolue. Au niveau du blush, c'est un blush essence, celui que je vous ai montré dans mes favoris. Je mets que celui-là de toute façon parce que c'est tellement encore le bordel dans l'appart que vous voyez, genre derrière moi là, j'ai mon truc, c'est le salon. Et vous voyez mon meuble de salle de bain parce que ma salle de bain n'est pas finie. Youpi, voilà. Trop bien. Donc c'est un peu la misère pour aller chercher les choses et tout. Donc je me contente d'un blush et ça suffit bien pour l'instant. Mascara essence, crayon essence, voilà. Un petit peu d'anti-cerne MAC que je vous ai montré. Et sur les lèvres, est-ce que ça zoome? Non. Comment ça s'appelle? C'est de chez Revlon là, les. Oh, vous savez, les baumes à lèvres là, qui sont vendus 10 milliards de fois là. J'ai le rouge, c'est le Cherry Tart, je crois qu'il s'appelle. Donc, j'ai un petit chemisier que vous voyez orange et en fait qui est rouge, c'est super. Donc, un chemisier rouge que j'aime beaucoup parce qu'il est un petit peu décolleté, donc je trouve qu'il voilà, il m'envahit la poitrine sans trop en faire parce qu'on n'a pas envie non plus que les nichons débordent dans tous les sens hein, quand on est patient. Ici il est un petit peu transparent en fait sur le haut du dos, donc j'aime bien, c'est sympa. Ensuite, et je l'aime bien aussi parce qu'il est resserré en bas, donc ça tient bien, on n'a pas besoin de le rentrer, il est assez sympa. Voilà, j'ai un jean noir un peu passé d'ailleurs, donc classique, hein. Youpi, un jean. Voilà, donc un jean noir caporal que j'ai acheté sur vente privée à 35 €, je crois. Donc j'aime beaucoup. Je me lâche un peu sur vente privée quand il y a les jeans caporal parce qu'ils sont bien. Enfin, ils taillent bien en tout cas pour moi. J'ai pas de soucis au niveau de la taille qui est trop large ou au niveau d'autres choses que ça sert trop. Donc j'aime bien. Et comme chaussures, j'ai mis des petites ballerines rouges que j'ai depuis 1000 ans à peu près. Que je trouve super mignonnes. Bon, alors là. Vous voyez, elles ont pris un peu cher. Hein. Force de les mettre, il y a des traces de chaussures et de je sais pas quoi. Voilà, qui ne partent pas, ça me gonfle. Mais bon, c'est pas grave. On fait la guerre en même temps. Donc voilà. Et puis sinon, au niveau des accessoires, pas grand chose. Enfin, si, les boudraies que mon chéri m'a offertes qui sont trop belles. Et la petite coiffure un peu genre médiévale. Je te range les cheveux dans un headband. Voilà, rien de particulier. Assis sur les ongles, j'ai un super vernis de chez Kiko que vous voyez pas du tout parce que si c'est bon. Donc oui, j'ai les ongles qui sont un peu raccourcis par rapport à avant puisque je m'en occupais absolument plus. Je me suis franchement laissée aller pendant pas mal de temps. Bah, pendant le temps que je faisais pas de vidéo en fait. Et là je reprends un petit peu le goût à me remaquiller un petit peu plus, à me refaire un peu les ongles, à essayer de les laisser repousser. Donc celui-là c'est un vernis de chez Kiko. Qui est rouge avec des paillettes dorées, il est super beau. C'était dans une collection limitée, Squash, c'est une collection Sun quelque chose. Enfin, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos justement. voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite hein, pour une prochaine vidéo. Je pense que mes prochaines vidéos, je vais peut-être faire des vidéos genre mes collections de. Comme ça, je vous ferai des swatchs de mes blushs, de mes rouges à lèvres, de mes. De mes mascaras, parce que moi aussi je peux vous en parler, de mes crayons, des trucs comme ça, un petit peu de l'étendue de ma collection, bien qu'elle se soit bien diminuée depuis le début de mes vidéos, parce que j'ai revendu pas mal de choses et j'en ai foutu pas mal à la poubelle, parce que finalement ça me faisait des allergies, hein, super, voilà, donc bah sur ce, et à bientôt.